Salut la VOD! Alors, on est toujours dans Graveyard Keeper et on continue du coup l'histoire. Voilà. Pas grand chose à dire. On est le jour de la lune, du coup, c'est le jour de l'astrologue. On va vite y aller. Je pose ça en avance. Les histoires, je sais pas trop à quoi elles me servent pour le moment. On verra plus tard. Ouais, j'ai le temps d'aller le voir, l'astrologue, là. C'est quand même... C'est presque midi, mais ça va. C'est pas le soir comme la dernière fois. Et en rentrant, on achètera des graines, ici. On a dit qu'il faut 4 graines de betterave. Du coup, on va acheter 4 graines de 4... Oh! L'âne, bonjour. Pas maintenant, ok. Et bah tu vas me faire la livraison. Il habite loin l'astrologue. Lui, on peut peut-être s'arrêter 2 secondes pour lui parler du coup. Vu qu'on est assez tôt. Quoi que ce type doit être fou. Vous pensez que je suis fou? Non, ce n'est pas ce que je pense. J'essaie juste de rester positif. Et je sais ce qui compte vraiment. Quoi? Ah, tu crois qu'il peut comprendre? Non, creuse, il ne comprendra pas. Il ne voit pas. Alors, ok, alors raconte-lui un joli mensonge. Les seules choses qui comptent sont la paix et les herbes, et les choses jolies et douces. Douces comme le miel. Apportez-moi du miel et je vous apprendrai à faire un gâteau. Les gâteaux, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Ok, donc du miel pour le monsieur. Je crois que je l'ai vu dans l'arbre technologique. C'est pas un pommier. Ça, c'est un pommier. On va d'abord lui parler à l'astrologue, sinon on aura encore loupé. Salut! Vous êtes l'astrologue? Je l'ai été, à présent je serai plutôt une âme perdue dans ce monde sans issue. Je suis le nouveau gardien de cimetière et je pense avoir besoin de votre aide. Tout le monde a besoin de quelque chose, sauf moi. La connaissance n'apporte que la tristesse, jeune homme. Vous m'avez l'air plutôt heureux. Vos besoins triviaux sont sans intérêt pour moi. Vous ne pouvez donc rien faire pour moi? Voyons, vous vous occupez du cimetière. Oui. Chut, silence. Apportez-moi un crâne. C'est censé être illégal, mais c'est qui se soucie des lois stupides de l'inquisiteur? Ok, il lui faut un crâne. Celui qui parle, Jerry? C'est un peu mon ami. Ce ne serait pas très correct de ma part. Non, j'ai juste besoin d'un crâne. Très simple, tout simple, récupéré sur n'importe quel cadavre. Bah d'accord. Tout ça pour juste une quête. On va en profiter du coup pour récupérer un peu les matériaux du coin. Je crois que ça... Ouais, ça c'est un pommier. Oh, ça a pris les champignons. Je vise surtout le pommier parce que les champignons il y en a pas loin de chez moi, alors que les pommes, je ne crois pas. Pas encore, en tout cas. Oula! Piocher ce dernier caillou. Voilà. Non. Voilà. Je crois que j'en ai vu un autre à droite. Voilà, ici.
coup, on va essayer de le suivre d'ailleurs pendant que, vu qu'il apparaît en même temps là, vu qu'il rentre chez lui. Logiquement, il va suivre les chemins, donc on a un peu de temps. Il y a quelque chose ici. Mince, ça me fait deux rondins. Ah, je peux le pousser. C'est un pressoir, ça. Ok. Alors, où est-ce que tu habites, astrologue? En ville, comme le marchand? Bon, c'est plus compliqué de pousser comme ça que vers le haut ou le bas. Il disparaît pas juste parce que je l'ai devancé un peu trop. Si là il va en bas, il y a de fortes chances qu'il aille à la ville. Ah, du coup, je vais pas acheter de graines. Super. Et c'est le jour de du soleil. Soleil violet. C'est l'évêque. Eh ben, j'ai pas mon cimetière au niveau 5. Il va pas être content. Ouais, ouais, là c'est que des maisons d'ouvriers. Et il passe à travers la barrière, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi se casser la tête à demander au gardien de l'ouvrir quand on peut passer à travers? Alors, ce n'est pas pratique de faire toute la longueur comme ça, mais je pense que ce sera plus rapide malgré tout que de faire deux allers-retours. Je peux me tromper. Mais quand je réussis à faire des bonnes longueurs comme ça, ça me fait dire que c'est pas mal de s'arrêter deux secondes et de reprendre. Ah oui, on s'est fait livrer un cadavre en plus. Ouais, oula, 80% déjà. Ça devrait aller. On va l'ausculter avant de dormir du coup. On pourrait presque en profiter pour prendre le crâne si. S'il y en a un. Tac, tac. Alors. Autopsie. On peut prendre la chair. Oui. Et. Vu qu'on peut prendre que la chair et qu'il y a des trucs cachés. C'est pas ici. Là, crâne. On va extraire. Enfin, on va prendre la technologie. Est-ce que je prends tout de suite? Je vais pas prendre tout de suite pour pas aller trop vite. Voilà. Alors crâne, j'ai un crâne rouge et deux crânes blancs. Qu'est-ce que ça fait? Ça a rajouté un crâne rouge, mais du coup il y a un crâne de plus. Je me souviens plus, la chair, ça fait quoi? Ça enlève un crâne blanc, d'accord. La peau. On va tout enlever juste pour voir. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Erreur chirurgicale. Ok, donc ça, ça fait n'importe quoi du coup. Je suppose qu'on peut pas se fier à ça. Ah, plus d'énergie. Bon bah tu restes là, cœur ouvert, tout ça, tout ça.
Oui, non, l'évêque, on s'en fiche, j'ai pas de... Le cimetière n'est pas à 5. Le jour de la femme, on s'en fiche, je ne suis pas sûr de moi, comme elle le veut. Qu'est-ce que je peux poser? Ça, ça, non. Ça, ça, ça. J'avais la chair là. Alors là, on va poser le bois plutôt. La pierre. Alors, on va commencer par lui quand même. Bon, prendre le creux-or. Mince. C'est pas un beau corps quand même. On m'a montré que je pouvais les jeter. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de jeter les corps. Ouais, non, lui, on s'en fiche vraiment. Je suis à moins 4, donc il faut que je fasse plus 9. Ah ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il fait moins 4, lui. Ah ouais, ça m'aide pas du tout, en fait. Du coup, je passe de moins 4 à moins 8. C'est pas bon. Moins 7. Alors, il me faut une clôture et... deux pierres tombales, peut-être que lui une pierre en... Ah non, faut que je... Ouais. Et ben... Tout ça à cause d'une petite erreur chirurgicale. Il n'y avait pas un truc... La possibilité d'une erreur chirurgicale est réduite, d'accord. Mais ça c'est... Faut de le... Faut du bleu quoi. Ça on s'en fiche. Qu'est-ce que je cherche? Un peu de bois de chauffe, ça peut être pas mal, mais j'ai pas. Oui, donc on a dit deux pierres tombales. Ah, on peut transformer une pierre tombale en un morceau de pierre. Ou alors transformer deux pierres en une pierre tombale. Eh ben, c'est pas rentable de casser de la pierre. La vitesse à laquelle ça descend. Alors, si du coup je vais mettre 120 et 120, on va fondre le minerai. Hein. On ne sait pas trop quoi en faire. Je vais dormir avant. Ou je vais peut-être creuser des trucs, couper un ou deux arbres, tout ça. Voilà, pas assez d'énergie, c'est bon. Garder le crâne sur moi pour quand j'irai voir le l'astrologue. Bam, boum. Je me sens rafraîchi. Alors ça c'est fait. Faire des clous et des pièces en fer simple. Je peux réparer. Ah oui, je peux faire des clôtures comme ça. Alors, on va en faire deux. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment besoin pour le moment. Enfin, il y en a besoin d'une, quoi, mais une d'avance, ça peut pas faire de mal.
Voilà. Voilà. Ah oui, les kits de réparation. J'en ai besoin de pas mal en bois, je crois. J'en ai besoin de... Ça, c'est une... 3 en bois. 1, 2, 3, 4. Et encore, si ça en utilise qu'un. Ça en utilise deux. Donc, ouais, j'ai besoin de beaucoup de... Ou alors, je les remplace par des... Par des pierres, en pierre. C'est peut-être plus intelligent, plus rapide. Ouais, ça sera sûrement plus rapide. Alors là, on te met une pierre tombale. On te met une pierre tombale à toi aussi. Et une clôture. Donc je suis revenu à moins 4 et là à moins 3. C'est déjà une avancée. Ça, je vais poser les histoires ici, vu que je sais pas ce que c'est. Certificat d'inhumation, faut que je le garde. Non, c'est bon. Si, peut-être que ça marche si je pose la clôture aussi. Lieu de crémation. D'accord. Ah oui, ça m'a fait deux bûches. Du coup, ah oui, c'est un surhomme en fait. Oh yeah! Trois bûches d'un coup. Presque quatre. Ah, je peux pas en mettre plus. Mince. On va en couper quelques-unes. Je crois que c'est les billes de bois là que j'avais un peu besoin. Je peux me tromper. Oui, du coup, vu que je les ai, en fait, je les ai mis dans l'atelier. Et du coup, elles n'ont plus besoin. Enfin, du coup, je peux restocker. Il n'y a pas besoin de les finir, en fait. Apparemment. Pour du bois de chauffe, c'était bien de ça que j'en avais besoin. Tac, on va dormir. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Oui, c'est plutôt dehors que j'aurais dû poser. Alors, ça. Ça. Et demain, promis, on s'occupe d'aller voir le marchand et acheter des graines. 3-4, 3-4. Voilà. Non, du coup, ça fait déjà un bon bout pour l'épisode de VOD. Donc, je l'arrête là pour le moment. Vous pourrez venir voir le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à plussoyer la vidéo et à la partager si elle vous plaît. Voilà. À la prochaine!